Bienvenue à tout le monde, parents, enseignants, étudiants, diplômés et lauréats, vous êtes bienvenus chez vous. L'école polytechnique où nous sommes aujourd'hui est une nouvelle école créée par le groupe de l'Université centrale qui n'est certes pas très connue et c'est pour ça qu'on a tenu à ce qu'on organise l'ensemble des fêtes de fin d'année dans cette école pour la faire connaître encore mieux. Certains des cadres et employés de la centrale DG et des autres écoles peuvent être un petit peu jaloux de ces joyaux-là. Je les rassure, à partir de l'année prochaine, certainement pas demain, mais l'année prochaine, vous aurez vos propres locaux qui sont à la hauteur de celui-là et même meilleurs, ce qui viendra par la suite. Nous entamerons à partir de cet été un grand chantier pour faire cette extension à l'école de droit et de gestion qui inclura, entre autres, la construction d'un amphi plus grand que celui-là. Ceci étant le projet. Mon prochain mot, je vais l'adresser au lauréat de l'école de droit et de gestion, lauréat de l'Université centrale, et surtout aux diplômés qui vont, à partir d'aujourd'hui, être les diplômés de cette école-là, et qui vont représenter à partir d'aujourd'hui cette école-là dans le monde socio-professionnel, dans l'environnement économique et social que nous avons autour de nous et à l'international aussi. Certains de vous vont travailler en Tunisie, d'autres vont travailler dans leur pays ou dans d'autres pays internationaux. D'autres choisiront de poursuivre leurs études à la centrale DG à travers les masters qu'a énuméré M. le directeur Yassine Mansouri, ou aussi dans le secteur public ou à l'international aussi. Là, je vous rappelle que vous avez une mission très importante. Vous êtes à partir d'aujourd'hui nos ambassadeurs. Encore une fois, mabrouk, à vous et à vos parents, et merci à vous. Pour les différentes spécialités, on a les autres études commerciales, commerce international, comptabilité, finance, management et marketing. Les débouchés pour la spécialité comptabilité, donc expert comptable, auditeur, commissaire au compte, chargé de recouvrement fiscaliste, analyste financier, contrôleur de gestion comptable. Merci. Au management chef de projet, acheteur international, manager international, manager du système d'information, manager de la santé, du sport, du tourisme et hôtellerie. Au marketing, promotion de vente, responsable merchandising, directeur d'équipe, coordinateur marketing, chef de produit, analyste marketing. En finance, conseiller en fusion acquisition, opérateur back middle office, directeur financier, analyste financier, chargé d'affaires, courtier, trader. En commerce international rattaché au département commercial logistique, chef de produit international, responsable de pays zone, vendeur international, chef de zone export, financier export, transit. En GRH, directeur de ressources humaines, auditeur social, coach, cyber recruteur, chasseur de tête, responsable formation en entreprise, chef du personnel. Pour le département de droit, les diplômes en droit ont pour vocation de préparer à tous les métiers judiciaires juridiques, de même qu'ils visent à former des juristes d'entreprise et préparent au concours de la fonction publique. Alors, donc droit privé et droit public, pour les débouchés de droit privé, donc avocat, magistrat, procureur de la République, substitut de procureur, juge d'instruction, notaire, huissier de justice, clerc huissier, clerc de notaire et greffier. Encore, vous pouvez également opter pour les métiers juridiques, donc juriste de banque, juriste d'entreprise, juriste dans les assurances. Pour le droit public, donc juriste des organismes internationaux,
conseiller auprès des services publics, administrateur, conseiller auprès des services publics, administrateur, conseiller auprès des collectivités publiques, inspecteur central auprès des services financiers, administrateur auprès des collectivités publiques et enfin fonctionnaire du Trésor. Plus de la moitié des titulaires d'une licence ou d'un troisième cycle en droit public optent pour la fonction publique, les administrations centrales, les services extérieurs à l'État, impôts, trésors, intérieurs, affaires, sociales, justice, etc., demeurent les principaux recruteurs. En fait, donc, on a fini avec les débouchés. Il faut juste gagner un petit peu en qualification, comme je vous ai dit. Une licence, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Et vous avez largement le choix à la centrale des jeux. Nous commencerons par décerner le certificat d'excellence pour 7 lauréats. Donc, lauréat de première année gestion, lauréat de deuxième année gestion, lauréat de troisième année gestion. Pareil, donc, lauréat première année droit, lauréat deuxième année droit, lauréat troisième année droit, et lauréat master tout confondu.